Elles sont à l'honneur. Les femmes entrepreneurs de Bénin Cajo et Bénin Bize sont célébrées ce jour 10 mars 2021 par Technosève et la TDA 4 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée de célébration s'est tenue dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 4, à Parakou. Technosève défend les valeurs d'égalité des sexes et d'équité des genres, tant au niveau de son personnel, de ses partenaires, que de l'ensemble de ces projets. À ce titre, différentes activités ont été exécutées pour l'intégration des gens dans les différents domaines d'intervention, par notamment la mise en place d'un dispositif institutionnel basé sur des points focaux genre, aussi bien au niveau de la direction générale que communale de l'ATDAK pour ce qui est de la filière anacarde. Le renforcement des capacités des agences territoriales de développement agricole, ATDA, aujourd'hui considérées comme des partenaires stratégiques de Technosève. Des séances de vulgarisation sur les avantages du nouveau code foncier et domanial relatif à l'accès aux facteurs de production, notamment la terre. Il s'avère donc capital de célébrer le leadership des personnes ayant favorisé l'intégration du genre et la résilience des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2021. En effet, le thème de cette édition, Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la COVID-19 et met en lumière les manques à combler. Loin d'être une occasion de fête, cette célébration doit nous amener à réfléchir sur la thématique et trouver les voies et moyens pour garantir un futur égalitaire dans le monde, cette fois-ci sans COVID-19. À Technosève, nous sommes convaincus que la pleine participation des filles et des femmes permettra d'accélérer la croissance nécessaire au développement de nos nations. Voilà pourquoi Technosève œuvre pour l'intégration du genre au sein de tous ses projets. Avec l'avènement du COVID, il faut dire que la femme est beaucoup plus exposée. Et vu déjà son rôle dans la société où elle est épouse, mère, elle est plus exposée. Et le thème retenu par la GIF interpelle encore la gente féminine à beaucoup plus développer un système de résilience pour pouvoir mieux s'affirmer. Notons qu'au cours de cette célébration, les participants ont eu droit à une communication qui a porté sur le thème de la célébration de cette édition 2021. Il en ressort en effet que les droits de la femme sont fragilisés en période de crise et il est donc important de renforcer le leadership des femmes pour faire face efficacement à cette pandémie. Rappelons que l'événement a également connu la distinction de plusieurs acteurs dans plusieurs catégories, notamment meilleure initiative pour une meilleure valorisation des femmes, meilleur leadership féminin, meilleur leadership dans l'accès au foncier, meilleur leadership dans la transformation agroalimentaire, meilleure performance pour l'intégration du genre dans les activités. Merci.